Ouais, je... Là, je vous fais la chronique au bricolage parce que j'ai une copine et collègue qui m'a dit que les chroniques au bar, ça faisait un peu bourrin, tu vois, un peu, bourrinasse, quoi, pas, ça me correspondait pas, qu'il aurait fallu plus de poésie, plus de hauteur. Bon, elle me l'a pas dit comme ça, mais j'ai compris, ouais. Ben ouais, mais bon, moi je dis que tu peux avoir de la hauteur et tu vois, à l'apéro ou au bricolage. On n'imagine pas, mais le bricolage, quand tu... Par exemple, moi, tu vois, je fais de la physique quantique au bricolage. Parce que pour bricoler, moi, il me faut des tutos de bricolage. Si j'ai pas des tutos, je m'en sors pas, tu vois, déjà avec, bon, voilà. Eh bien, les tutos de bricolage, moi, ils me font faire de la physique quantique, comme toi, une émission de France Culture, tu vois. Si, mais si, attends, une émission de France Culture. Attends, sur le harpon paléolithique, d'accord? Tu allumes le truc, tu écoutes, le gars, il te parle, et là, les mots, pris les uns derrière les autres, tu les comprends. Avec un bon dictionnaire, avec du temps, tu comprends les mots. Mais c'est quand il les met ensemble. Quand il les met ensemble, là, la phrase. C'est pas possible. Ça peut pas le faire, quoi, tu vois. Alors, tu sais pas, tu comprends pas. C'est la deuxième dimension. Tu vois. C'est ta deuxième dimension, tu peux rentrer dans la deuxième dimension, tu vois, ou pas, enfin, je veux dire, ça, c'est de la physique quantique. C'est-à-dire, le harpon, il est dans la boîte, avec le chat. Ouais, c'est Schrödinger, il explique que la physique quantique, tu vois, il fout un chat dans une boîte, un minou, et puis il te demande, alors là, maintenant, est-ce que le chat, il est vivant ou mort ? Voilà. Et toi, tu sais pas, tu dis, mais je suis pas dans la boîte. Il dit, justement, c'est ça, t'es pas dans la boîte. T'es pas dans la boîte, donc tu peux pas savoir. Donc, au moment où... Eh bien, le chat, il est vivant et mort. What's up ? La physique quantique, c'est ça. C'est savoir. Si Minou, il est mort dans la boîte, c'est magnifique. Et voilà, c'est la deuxième dimension de la physique quantique que tu fais, tu vois, là, en écoutant le harpon de France Culture. Et bien, dans un tuto de bricolage, c'est pareil. Dans un tuto de bricolage, le mec, il utilise des mots que pris un par un, tu peux comprendre. La clé de 12, tu vois, le machin, le truc. Mais quand il les fout ensemble, il n'y a plus rien. Ça marche plus, tu comprends? Et alors tu décroches, tu peux plus suivre, c'est la deuxième dimension. La clé de 12, elle se retrouve avec le harpon et Minou dans la boîte. Et toi, tu peux pas y rentrer dans la boîte. Voilà, c'est ça, tu comprends ça? Ça, c'est la physique quantique, grâce au bricolage. C'est magnifique, les deux dimensions. Et si ça se trouve, il y a la troisième dimension. La quantique des quantiques, tu vois. Imagine que la boîte, elle soit vide. Tu rentres dans le concept. Elle est vide, la boîte. Il n'y a pas Minou, il n'y a pas le harpon, il n'y a pas la clé de 12. Il n'y a rien. Dans la boîte, il n'y a que du vide. Le vide qu'il y a autour de toi quand tu bricoles. Il est là, dans la boîte. Ce qui fait que là, tu es dans la boîte et autour de la boîte. Tu es la boîte, tu es le vide de la boîte. En bricolant, tu atteins le troisième dimension, le niveau supérieur de la physique quantique. En bricolant.